Alors les gars, ce contrôle d'histoire, ça s'est passé comment? Oh, je sais pas trop, je pense pas avoir réussi l'ensemble, mais j'ai pas tout compris. C'est rien, venez, on va réviser chez moi. La journée était longue, on se prend quand même une petite pause avant de commencer à réviser, non? Oui, quand même, petite pause goûter, j'ai trop faim. Bon les gars, venez, on révise, c'est important pour l'année prochaine, faut qu'on rattrape cette note. Allez. Ouais, pas de souci, on révise dans 5 minutes. Attends 2 secondes, mon frère il m'a envoyé un lien, c'est pour voir ce que je veux faire l'année prochaine. Ah, montre-moi, ça parle de quoi? Ah, vas-y, montre-nous. Oui, venez, venez, je vous montre. Ça parle de l'IUT de Cergy-Pontoise et ça me parle plus particulièrement des projets tutorés, j'aimerais bien en savoir plus. J'ai cliqué, attendez 2 minutes, ça charge. Bonjour, jeune lycéen. Je vais te présenter les projets tutorés spécifiques au BUT d'essai de Cergy-Pontoise. Ces projets visent à te professionnaliser tout en développant tes capacités et en mettant en valeur ta créativité et tes compétences personnelles. Cela change vraiment de la routine des cours et en plus, ça donne vraiment un réel bagage pour tout ce qui va être monde professionnel et pour la suite de ta carrière. C'est un travail de groupe. En effet, ici, pas question de noter un cours ou faire un travail qui ne te plaît pas. Le projet tutoré consiste à réaliser une mission avec toi et ton groupe, une mission où vous prendrez les décisions et être réellement plongé dans votre projet. Un commanditaire vous dit quoi faire et vous devez le réaliser. Vous, votre groupe et votre professeur-tuteur formez une véritable petite entreprise. Rendez-vous compte rendu et réalisez les missions pour lesquelles vous avez été désigné en choisissant les moyens qui vous semblent les plus judicieux pour réaliser ce projet. Prenons un exemple. Tu es passionné de sport, le bureau des sports est un projet fait pour toi. Tu vas devoir créer des activités avec ton groupe et ton professeur tuteur pour vraiment fédérer la vie étudiante. Créer des activités qui plaisent à tout le monde, comme du foot, du basket ou encore plein d'autres sports, à toi d'imaginer. En créant ces activités, tu vas vraiment développer tes capacités. Tu vas apprendre à communiquer, à organiser des journées. C'est vraiment un premier pas dans le monde professionnel qui te sera vraiment très bénéfique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis les moyens qui te semblent le plus judicieux pour parvenir à tes fins. Bonne chance! Ça m'a l'air incroyable ces projets tutorés. On construit notre propre projet de A à Z, on l'accompagne, on le voit évoluer et on prend nos propres décisions. C'est vraiment nous les chefs. C'est un bon moyen de s'épanouir, je trouve. Ça me donne envie. Ça a l'air vraiment cool. C'est un moment qui change dans la semaine et ça permet d'appliquer tout ce qu'on a vu en cours. J'avoue, ça me plaît beaucoup. Several months later. Oh, il fait quoi celui-là? Il est toujours en retard. Allô Kenny, t'es où là? On a la réunion avec la professeure tuteur et juste après on doit aller accueillir des étudiants pour la journée foot. Dépêche-toi s'il te plaît. Je suis là, j'arrive, t'inquiète. Bon, on a réussi à être à l'heure pour notre première journée qu'on organise quand même. Allez, c'est parti les gars. Vraiment trop bien, j'aime trop ce projet.